Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod, un mode Dark RP. Et aujourd'hui, nous allons faire les cambrioleurs de l'extrême 2. Vous aviez adoré le premier épisode avec Max, on a décidé de faire le deuxième sur Twitch. N'oubliez pas que vous avez la chaîne Twitch en description si vous voulez vous y abonner, on fait des lives souvent. Comme d'habitude, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire si vous voulez peut-être un troisième épisode. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. C'est vraiment ce qu'il faut faire si vous voulez qu'on atteigne le million d'abonnés. C'est parti. J'ai pris le grappin, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour escalader, j'ai pris le keypad cracker, j'ai pris une arme aussi parce que bon, la dernière fois, tu sais ce qui s'est passé avec la famille et tout là. Moi je me suis pris du pare-balles et puis j'ai un petit pistolet et puis j'ai pris... j'ai pris ça. Ah, parfait, parfait. Les serflex, tu les as aussi ou pas? Au cas où, faudrait les attacher ou quoi? Oui. Bon, bah écoute, y a le camtar devant. Juste là. Parfait. Ouh, il fait bien sombre ce soir là. Parfait ça. Alors, je vais aller voir un petit peu au quartier comment ça se passe. C'est le nouvel an chinois ou quoi? Putain, c'est... c'est ma stop quoi. Ah bah là, mon gars, j'ai rarement vu ça. Putain, ils sont bien barricadés hein, depuis les cambriolages précédents, les mecs. Hein. Ouf. Fais gaffe, le gars de la supérette, c'est un méga radin ici. Bonsoir, monsieur. Qui fort. Faut vous aider. Bah écoutez, ouais, on vient acheter des trucs. On vient pas là pour... pour trier les lentilles, hein, comme on dit chez moi. Attends. Ouais, c'est bon. Pardon, monsieur. Effectivement. Bon, allez. Monsieur, pardon. Bah, en fait, on va rien monsieur, acheter, non, bonne soirée. Vous êtes en costard, vous sortez pas ici, cassez-vous. Oula la 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 la. Oula. Oh oui, ça c'est bien. Il est en surveillance celui-là, non? Bah écoute, moi je pense qu'on pourrait commencer par la maison en bois là. Oh, hâte la caisse. Allez. Hâte la caisse, hâte la caisse. Bah écoute, on va se garer là, je pense. Comme ça, on pourra sauter sur le camion. Une fois qu'on est à l'intérieur, on fout les cagoules et tout, ok? Ou on fait cette maison d'abord? Cette maison d'abord, elle est vide. J'ai vu personne. Ouais, viens. Allez. Vas-y. Ok, t'es prêt? Ok, possible qu'il y ait des trucs. Ok, les amis, c'est bon, ça commence. Merde. Putain, je vais pas y arriver. J'y arrive pas. Je te jure, j'y arrive pas. La serrure, elle est renforcée, je sais pas. Ouais, la vitre. Mais la vitre, s'il y a une alarme et tout, c'est trop chaud. Mais elle est blindée ou quoi, sa serrure? Portail, va voir le portail, le portail, le okay. Portail. Oh putain! Mec, il m'a vu, il m'a vu! Vite, vite, vite! Oh, j'ai une oui, question bonsoir. Pour vous, je suis le voisin. Bonsoir. Un voisin. Est-ce que c'est à vous? Vous êtes voisin. Vous êtes voisin avec nous? Ah, mais vous avez vu? Il y avait des mecs dans le jardin. Vous avez vu ça? Je suis allé voir et les mecs ont disparu. Quoi? Une sorte de mec super bizarre, déguisé et tout. J'avais jamais vu ça. C'est à vous Vous êtes voisin avec nous? Ouais, je suis le voisin, j'ai la maison qui est tout au fond, au bout de la rue. Ah, bonjour. Ouais, bonjour. Faites gaffe, j'ai vu un mec rôder. Là, je vais vers le centre-ville, je vais voir ce qui se passe, mais il y a un mec, il avait genre, vous savez, un masque de chat. Trop bizarre. Comme un psychopathe avec un... masque de chat? Ouais, une tête de chat. Trop flippant. Bon ben je vous remercie, hein, passez une bonne soirée, moi je vais aller m'abriter. Bah de rien, merci à vous. Allez, hein, bonne soirée, au revoir. Les voisins sont vigilants ici. Moi, hein. J'ai fouillé la maison, y'a rien. Ah, t'y allais? Ouais, pendant que t'es occupé, je suis allé visiter. Bien joué. Ok, go. Marche accroupi, ça fait pas de bruit. Y'a plus la porte, y'a plus rien. Faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Porte d'entrée. Y'a pas raison. Allez, rentre, 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 rentre. Bouge pas, et rentre. Wesh, wesh, wesh. Ouais, je te ramène.
Ok. Oula, oula. Dis à ta meuf de pas appeler les flics. Dépêche-toi ou je te flingue. Dépêche-toi ou je te flingue. Dis à ta meuf de pas appeler les flics. Tu veux quoi? Avance. Lâche, j'ai mon flingue sur sa tempe, je te dis. Lâche ton gun ou je le bute. Putain pétasse, tu comprends ce que je te dis? Lâche ton gun ou je le bute. Baisse-le. Eh, je vais te buter dans 3. Ok, lâche ton gun par terre. Et toi, tu lâches ton fusil à pompe. Lâche-le, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ok. Dépêchez-vous. Pas de problème. C'est pas la même famille que l'autre fois là, ils ont pas de gosses. Non, on a pas de gosses ici. Ok, mais bon, on va traumatiser personne. Ok, donc vous avez quoi ici? Vous avez des coffres forts, vous avez des printers, des trucs, vous avez quoi? On a rien du tout ici, monsieur. Rien du tout? C'est une blague ou quoi? Il y a un petit coffre, avec quelque chose d'argent dedans. Un coffre. Aussi. Eh ben, vous allez l'ouvrir, allez fermer votre chambre. Mais c'est quoi cette manie de tout fermer à clé là dans votre maison? Vous avez peur qu'on vous cambriole? Ben, vous avez bien raison, parce qu'on est là, nous. Là, tu vas nous ouvrir ta pièce, tu vas ouvrir ton coffre, elle est un coffre fort. Et tu nous donnes tout le fric que t'as dedans. Tout ce que t'as dedans, tu le donnes. Dépêche-toi. Ok. Bon, écoute-moi bien, toi, le daron de famille, là. On n'a pas pour habitude de faire ça, mais tu sais, c'est de plus en plus dur. Les allocations, tout ça, le confinement, ça nous a foutu dans la merde, nous, on n'a plus de fric. On ne peut plus travailler, j'ai été viré de mon intérim, moi. Viré! Et c'est les patrons comme toi, là. Avec ton Audi R8, à se pavaner, là, à faire du fric sur le dos des petits travailleurs comme moi. C'est à cause de vous qu'on se retrouve dans la merde. Alors ta R8, tu vois bien? Je vais prendre tes clés, mon gars, et je vais la prendre et je vais me barrer avec. Je vais la revendre, je sais pas, sur le marché noir, ça doit se valoir, allez. Je peux la revendre, à mon avis, un bon paquet de thunes, mais je vais la revendre moins cher. Il faut que je me fasse des thunes. 5600 balles. 5600? Est-ce qu'on se barre avec la R8, là, du petit daron Elle a l'air sympa, non, sa R8? Trop crabby. Ah ouais, tu penses? Trop crabby. Merde. On va les laisser attacher et puis voilà, hein, tant pis pour eux quoi. Vous allez vous démerder les gars. C'est plus notre souci. Eh, arrête de respirer comme ça là. Prenez ma femme, laissez-moi la voiture. Vas-y, on se taille. Allez ma petite dame. Hein? Bon courage. J'espère qu'il se réveillera. Allez, vite, on se taille de là. Cambriolage réussi. 6000 balles hein. 6000 dollars. Hein. Merci, bonsoir. Dites voir, j'ai vu un mec chelou. Le mec, il est là tous les jours, il est en train de bipper du Nutella. Et là maintenant, il se retrouve à braquer un mec dans sa propre supérette. C'est quoi ce bordel là? J'avoue, t'es tellement enlevé. Bipper du Nutella! Oh, si c'est une ref à nous, c'est magique. Qu'on récupère la camionnette et qu'on se bat. Bah oui, mais c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut la récupérer? Au pire, on va voir. Et je pense qu'il faudrait commencer à attaquer le centre-ville. On va passer à côté et puis on va essayer. Ouais, faudrait attaquer le centre-ville, puis après. Au pire, tu fais genre, oh, j'avais oublié ma camionnette ici et tout. Mais tu sais, voilà, après, vu qu'on change de vêtements, on n'est pas grillé. Mais je pense qu'ils ont réussi à appeler les secours, là, les gens dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi il y a 40 flics. On a été appelé. Il y a eu un regroupement de suspects, du coup on est venu, on a eu un appel 911. C'est le mec avec son masque de pain d'épices ou pas là? Je sais pas, on a eu un descriptif comme quoi une personne avec un masque aurait braqué des personnes, mais j'ai pas plus d'infos. Ouais, bon bah écoutez, bon courage. Ok, hein. C'est bien pris. Oh, les pauvres gens, en plus c'est une famille. Merci, bonne soirée. Mais quelle honte de braquer des gens respectables. Hein. Les gens ont pas honte quand même? Ah bah après, chacun a sa vision des choses, hein, monsieur. Ah, vous êtes pour les cambrioleurs? Ouais, je comprends. Ah, non, c'est vrai. Du tout. Ah d'accord, excusez-moi. Je disais juste que certaines personnes voient les choses autrement que les autres. Mais après, moi je pense que si les gens font ça, c'est qu'ils ont des problèmes financiers, voyez-vous. Moi je peux les comprendre, ces gens-là, pas vous? Bah, je peux comprendre qu'on ait des problèmes financiers, mais au point de braquer d'autres personnes... Oh monsieur, vous savez, je sais pas, ça a l'air d'être une famille qui vit bien. Hein. Le monsieur, il a une Audi R8, ça vaut combien ça? Ça vaut au moins 200 000 balles, hein, un truc comme ça là. Ouais, ça va quoi, c'est pas. Ouais, je sais pas du c'est tout. Pas, ils ont braqué des gens qui avaient à peine un quignon de pain à manger, voyez-vous. Là, ils ont braqué quand même des gens. Moi, franchement, je leur tire un peu mon chapeau. Oui, mais ça n'empêche qu'ils ont que braqué principe, des riches quoi. Ils ont un peu fait la Casa des Papels, mais à la version cheap quoi, hein, vraiment. Voilà quoi. Oui, je vois, mais le principe de braquer une personne n'est pas forcément bien vu quoi. Vous voyez, monsieur, un jour vous vous retrouverez peut-être à la rue et vous serez obligé de braquer des gens, hein. Vous savez, on n'en sait rien, ou vous prostituez vous-même. Ah on bah sait j'espère pas. Pas. On sait pas. Bonne chance hein, pour les attraper et puis bon ben voilà quoi. Hein. Merci.
réseau très mauvais, je t'entends super mal. Mais transporte un corps ou je sais pas quoi là. Cache nous ça, parce que sinon on va se faire pour meurtre ou je sais pas quoi là. C'est... Je pense que tu peux courir à sortir par le portail de l'île et personne ne se montre. Eh, c'était trop compliqué là. T'as pas réussi à faire diversion? Bon, tu fais quoi là? Ça fait 3 heures que je t'attends, t'es où merde? Ah non, bah allez là. Aucun geste brusque. Ma gueule ou? Aucun geste brusque. Raccroche. Oula. Raccroche de suite. Raccroche de suite. D'accord. Je vas-y, rentre dans la maison, rentre dans la maison. Commence pas à parler là, je m'en fous de ta vie. Rentre dans la maison. T'as quoi comme objet de valeur ici? T'as quoi comme objet de valeur? Me mens pas si je fouille et que je trouve un truc, je te bute. J'ai rien. Vas-y, va dans ta chambre. T'as quoi dans ta chambre? Dépêche-toi! J'ai rien, à part un lit, monsieur, c'est tout. Passe-moi du fric que t'as sur toi! Tout ce que t'as, ton portefeuille, tu me l'ouvres, je veux le voir! D'accord. Montre-moi ce que t'as! D'accord. Obligé de faire comme ça, c'est voilà, un truc c'est tout de ce ouf. Que j'ai sur moi. Quoi? J'ai rien d'autre, j'ai plus rien, monsieur. T'es un malade, toi! Je vous promets. Regardez mon portefeuille, monsieur, vous pouvez le prendre carrément, faites ce que vous voulez avec, monsieur, j'ai rien. Vas-y, retourne-toi face au mur! Vas-y, ouais, tu regardes rien. La police qui te cherche, ils sont en train d'attendre à la barrière. Monsieur, je dirais rien à la police, monsieur. Ouais, bah apparemment, il y a les flics qui me cherchent. Attends, ferme-la et regarde la... Regarde devant le truc, là. Qui me cherche. Vous avez fait quoi, monsieur? La maison où t'es. La maison où tu es. Apparemment, ils veulent voir le propriétaire. Ok. Je te jure, c'est pas moi. Je te jure, si c'est toi qui m'as foutu dans la mouille, ça va mal se passer. Écoute, tu vas me faire la courte derrière et je vais me barrer. Vas-y, avance. Je mets mon flingue sous mon truc et je te pointe. Non, c'est bon, y'a pas de soucis. Côté de la route. Bouge pas. Eh, vas-y, va voir. Et cerné de flics, fais gaffe par où tu pars. Y'a des flics partout autour. Et toi là dans le coin. D'accord. Dis rien aux flics, sinon je te retrouve. Je vous jure, je dis rien. Run. Je viens te chercher. Je vais dans la forêt. Station service abandonnée. Je sais pas. Attends, mais c'est impossible. Ils sont tous, mec. C'est encerclé de flics. Il m'a donné $500, mec. J'ai fait tout ça, tous ces risques pour $500. Ça m'en ouf. Attends, le flic s'est arrêté dans le rétro. Je l'ai vu s'arrêter. Il fait demi-tour. Il va nous contrôler. Là. Ouais, il va nous contrôler. Oula, il est ivre ou mort ou quoi, lui ou quoi? C'est pas pour nous. Et si, ils nous poursuivent. Je les vois dans le rétro. Il est pas derrière moi, je m'arrête. Oh là là. Il s'est pris un poteau. Ah mais il roule encore là. Oula. Vas-y, attends, je sais pas ce qui se passe là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, bonne question. Thompson Police Department. Oula, qu'est-ce qui se passe? A très bel accent. What can I do for you? Vous pouvez descendre du véhicule s'il vous plaît, monsieur le conducteur? Oula, qu'est-ce que t'as fait? Je te dis, c'est ton pot de Nutella. T'as vu ou pas descriptif? Bonsoir, messieurs. Monsieur de la Ford, vous pouvez descendre 2 secondes, j'aimerais vous parler. Oui, tout à fait. Alors, attendez. Rien à voir avec le contrôle de la PD. Hein. Oui, pas de soucis. C'est un petit... Je vais vous dire un truc. Imaginons une patrouille de police vous arrête pour des soupçons. Vous avez totalement le droit de refuser le contrôle. Hein. Des soupçons, je sais pas combien il y a de personnes dans cette ville, mais bon, si vous arrêtez tout le monde, vous avez. Ah oui, mais bien sûr. Ah, mais moi, je suis rien à voir avec cette histoire. On m'a juste appelé. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, ça vous sauvera. Parfait, bonne soirée. Allez, bam. Là, on a eu très chaud. Là, on a eu putain de chaud. Waouh, ça tourne mal là. On en parle à gauche, la voiture, il y a 2 gars qui campent dedans. Tu te sens de faire un coup d'état? Ici? Oui. T'es chaud pour qu'on fasse ici? Mais le manoir, ça va être tendu là. Tu rentres, tu sautes tout de suite. Ouais. Attends, flic. Les gars, ça va être chaud. Là, les gars, ça va être chaud par contre. Oh. Monsieur là. Vos mains. Bouge pas toi, bouge pas. Bouge pas, lâche ton arme. Lâche ton gun, nous tire. Monte tes mains. Ça va, c'est bon. Ouvre ta maison. Il y a des objets de valeur dedans. Vite, ouvre. Vas-y, rentre dedans. Vas-y. T'es qui toi? Vas-y, viens là. Vous êtes monsieur. Viens là, on se cache là. Et shérif, t'es un truc comme ça? Si que vous êtes monsieur.
Non, je sais pas où je suis. C'est juste qu'il m'a l'air d'y avoir des objets de valeur ici. Vous êtes... Ok, bougez pas, j'ai un flingue sur sa tête. Voilà. Cassez-vous. Faites-les sortir ou je tire. Faites-les sortir ou je tire. Reculez, faites-les sortir ou je tire. J'ai son flingue, j'ai mon flingue. Faites-les sortir c'est dehors. Bon, reculez, reculez. Faites-les sortir dehors. Reculez là, Riz, reculez, sortez de là. Eh, jouez pas au con. Sortez d'ici, reculez. Jouez pas au con, je vais appuyer. Si quelqu'un se met derrière moi, je vais appuyer. 3. Dépêchez-vous de les faire sortir. Avancez tout doucement, tout doucement. J'ai toujours mon flingue sur votre tempe. Fermez la porte d'entrée. Vite. À clé. Ok, on monte à l'étage tranquillement. C'est bon, c'est fermé. Et m'ouvrez pas des chiottes. Je m'en fous des chiottes. Je veux des pièces où il se passe des trucs. Vite, avancez. La dernière pièce. Allez. Ok. Là, y a quoi? Y a rien. Ok. Y a quoi dans votre placard? À part des slips. Y'a rien ici, je suis juste en plus retraité. J'ai un flic en otage avec moi. Je peux faire monnaie d'échange si t'as besoin. Ok, venez là, je vais prendre tous les bijoux qu'il y a dans la boîte à bijoux là. Venez là, vous regardez le mur en face de moi, j'ai toujours mon flingue sur la tempe. Un fusil de chasse, ok, bougez pas, regardez le mur. Bah écoutez, si vous me laissez faire, je peux vous faire sortir d'ici. Ok, pourquoi y'a des gens sur le balcon là? Y'a un mec qui me dit qu'il y a des gens sur le balcon. Je pourrais pas vous dire, vous n'êtes pas de moi, monsieur. Ok, venez avec moi. Par contre, je vous fais sauter à la cervelle si vous faites un geste brusque. Moi, je voulais des trucs de valeur. J'ai des bijoux, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci à votre femme d'ailleurs. Il faut que je me taille avec ça. Ok, il y avait pour combien de bijoux là dans cette boîte? Je saurais pas vous dire, monsieur. Qui c'est qui vit ici alors? C'est pas vous, à mon avis. Qui c'est qui vit ici? Je peux pas vous communiquer cette information, monsieur. Mais si vous êtes pas un meurtrier, d'accord? J'ai jamais tué personne. Attends, faut simplement coopérer. Je comprends bien ça, vous êtes là pour les bijoux, y'a pas de soucis là-dessus. Bon, je peux vous faire sortir, il va falloir coopérer avec moi. Je coopère avec vous, je vous fais sortir. On vit comme on peut, monsieur. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, ici le petit directeur Grant. C'est du service US Marshall. Oh putain de merde. Ouais, et comment je peux m'en sortir là? Sans buter le mec? Déjà, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous avez infiltré cette maison. Je vous explique, ok, normalement il devrait pas y avoir de mort sur cette opération. C'est un cambriolage, ok, j'assume, j'ai volé des bijoux, il y a des assurances pour ça, ok. Moi je veux tuer personne, d'accord. Je veux pas que ce mec là, que j'ai là, ce soit le premier que je tue dans ma vie, impossible, ok. Moi je vous explique. Stanley, moi j'ai une autre proposition. Ouais, vas-y. Monsieur Grant, je suis le complice, je suis en train de tourner dans le quartier avec une camionnette noire. J'ai un de vos petits shérifs, l'officier Warren, je crois qu'il s'appelle, qui est avec moi. Donc si vous n'avez pas envie de retrouver un cadavre de flic, vous laissez mon pote partir, sinon ce sera peut-être deux cadavres que vous retrouverez. Peut-être celui du politique qui est dans la maison et celui de votre shérif adoré. C'est bien pris, vous savez que la personne qui était VIP, comme vous l'avez entendu, est en sécurité. Donc moi, mon problème, c'est de faire sortir tout le monde en vie. Là, vous avez foiré un cambriolage, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait personne de mort, que tout le monde rentre chez soi. Commencez pas votre air supérieur, d'accord? Je vous explique. J'ai assumé ma connerie, t'as fait un cambriolage. Si, vous dites que c'est ma connerie. Je sais très bien, je suis majeur et vacciné, merci. Vous me trouvez une issue, moi je veux sortir de cette putain de maison. Vous me mettez une voiture à disposition, tout ce que vous voulez. Si vous faites de la merde, il y a mon complice qui bute l'autre, le shérif. Moi, le mec là, que j'ai en face de moi, je veux pas le buter. D'accord, je sais pas qui c'est. Shérif ou j'en sais rien. Je veux pas le buter. Trouvez-moi une solution maintenant. Bute-le, je me suis fait tirer dessus. Non, sérieux? Non, monsieur. Ouais, je viens de m'en prendre une dans le bras. Non, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez joué, vous nous l'avez joué à l'envers. Vous nous l'avez joué à l'envers, on est d'accord. Non. Moi, je suis totalement d'accord. Je suis pas d'accord avec tout ça. Quoi, moi, je n'ai pas la mamie sur eux. Ben, on fait quoi alors? Eh ben, on fait le plan que je viens d'évoquer. Je suis désolé. Vous obtenez du temps si vous voulez. Je suis désolé. Je voulais vous faire sortir rapidement. Écoutez-moi, monsieur. Je voulais pas vous tuer. Putain, mais pourquoi vous avez... On a un marché là. Pourquoi vous monsieur, êtes monsieur, con monsieur, comme monsieur, ça s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi monsieur, c'est pourquoi pas fini. Laissez-moi leur parler. Perdre un shérif. Mettez-moi en l'air. Je peux leur parler, je vous fais sortir rapidement, putain, monsieur. Merde. C'est bon, je mets les mains en l'air. Ok, vous avez tiré, c'est fini. Il se passe quoi dehors? Je suis désolé. Ah!